L'amitié de Meghan Markle et Hélène DeGeneres a été mise à nu après que le couple se soit assis pour une interview exclusive qui sera diffusée plus tard dans la journée. Meghan Markle, 40 ans, et Hélène DeGeneres, 63 ans, se sont assises pour leur interview qui sera diffusée sur la chaîne américaine CBS à 20h. Mais on dit que le couple est voisin et ami depuis un certain temps. En fait, l'histoire de la façon dont l'ancienne star de Suits et animatrice de télévision a forgé leur relation implique un amour partagé pour les chiens de Californie. Le Mirror rapporte que la duchesse de Sussex et Hélène DeGeneres se sont rencontrées pour la première fois lors d'une visite dans le même refuge pour chiens de Los Angeles en 2012. Meghan, qui en 2012 était apparue sous le nom de Rachel Zahn dans Suits, est revenue de sa visite au refuge pour chiens avec son propre ami à quatre pattes. Bogart, un croisement labrador-berger allemand, est rentré chez lui avec la duchesse. Cependant, alors que la duchesse a depuis ajouté un beagle appelé Guy à la famille, elle aurait affirmé que Hélène avait joué un rôle important dans le retour de Bogart à la maison. Selon certaines informations, lorsque Madame DeGeneres et son épouse Portia de Rossi, 48 ans, ont vu Madame Markle câliner le chien, elle a demandé si le chien appartenait à la duchesse. Lorsque Madame Markle a déclaré que le chien n'était pas le sien, Hélène a répondu « Vous devez prendre ce chien ». Même lorsque DeGeneres, qui anime son propre talk show depuis 2003, a quitté le refuge pour chiens, elle aurait prétendument tapé sur la fenêtre pour dire à la duchesse de ramener le chien à la maison. Dans le livre d'Eomid Scobie et Caroline Durand sur les Sussex, Trouver la liberté, il est affirmé, bien que Meghan n'ait pas grandi avec des animaux de compagnie, Bog, comme elle l'appelait, est devenu l'objet de sa dévotion et en rotation intense sur elle. Flux Instagram. Mais elle attribue à Hélène DeGeneres la raison pour laquelle elle a adopté le mélange lab.